Et Yamina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Adrien. Et on se retrouve pour une nouvelle quête, une solution sur la quête du monde de Roald. Celle où il faut photographier les fresques, donc en gros les ruines. Parce que ce PNJ va nous demander de photographier 6 images, donc de prendre plutôt 6 photos des ruines à des endroits différents. En tout premier lieu, il vous demandera de récupérer donc des champignons fluorescents qui sont juste ici. Et ensuite, on aura la quête pour photographier. Alors, les fresques, enfin les photos à prendre, se trouvent ici dans les ruines. Pour s'y diriger, il faut passer par le pic. Là où je vous avais fait la vidéo Solus, vous allez ici. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Honnêtement, c'est très rapide. Si vous voulez faire des combats qui sont entre-temps, faites-les. Moi, je vous ferai une coupure, bien sûr. Mais vous aurez quelques combats à faire, hein. Sinon, ça va vous harceler dans tous les sens. Moi, bien sûr, ce sera sous forme d'ellipse, parce que sinon, c'est pas agréable pour vous de regarder tout ça. Les trois premières sont dans le même lieu. Vous allez à droite, là où vous avez fait une des missions. Et à cet endroit-là, vous avez vu qu'il y a 3 photos à prendre. Donc, une en face. On prend la photo. Voilà. Une à gauche. Voilà. Souriez. Des Twistiti. Et la troisième qui est ici. Voilà. Donc, maintenant, il y en a une qui se trouve toute seule au fond, là-bas. Donc, on va y aller. On va faire celle-là. En passant, on est juste à côté. Voilà, on se met sur ce point-là. On prend la photo de cette fresque. Et voilà. Ensuite, il y en a encore une à notre droite. Alors, la dernière est honnêtement très bien cachée si vous ne fouillez pas et que vous n'utilisez pas les options disponibles à votre main. Par contre, il va falloir avoir terminé une certaine quête. Vous voyez que quand en ce moment vous avez des quêtes où à chaque fois il y a la brume qui apparaît sur la map, et ben à chaque jour vous aurez une nouvelle quête qui fait apparaître la brume sur cette île. Il faut avoir terminé complètement tout pour récupérer la plume à activer. Et une fois que vous avez activé la petite plume, ça vous ouvre le mur. C'est la même plume qui vous permet d'activer donc les petites statuettes d'oiseaux. En cas où si vous voulez savoir. Et la dernière est en hauteur. Vous prenez le bon angle, vous n'arrêtez pas la culotte de Kokomi ou de votre perso. Vous prenez la photo. Un petit Wistiti et ça passe. Et maintenant on va aller voir Roald de nouveau. Voilà, maintenant on parle à Roald pour entièrement finir cette quête. Alors, ce qui est cool, c'est que Roald va vous donner des trucs assez intéressants. Donc, il aura un succès, 2 fresques, des primogèmes, etc. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.